le week-end, c'était la 4e édition du Tipeee 2018, tournoi international des petits irréductibles, qui réunissait 30 équipes, 5 nations différentes, 11 régions différentes. Et pendant ces 2 jours, c'est d'abord des matchs de poule, ensuite 3 compétitions. Une compétition du Tipeee Challenge, une compétition de l'Europa League et la grande Ligue des Champions. Alors c'est pour la catégorie des moins de 11 ans. On essaie d'améliorer un peu tous les ans l'événement, on essaie de rajouter des choses et on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles toujours plein de bonne volonté, plein de bonnes idées. On a forcément l'aide de la ville de Carentan. On va chercher des sponsors tout le long de l'année. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, on ne pourrait pas. Il faut savoir qu'il y a 11 équipes dans le tournoi sur les 30. Il y a 11 équipes qui sont logées et nourries. Ils n'ont que leur déplacement à faire. Et nous, on s'occupe de tout ça, de tout le reste, de toute la logistique, repas et hébergement. Pour la 2e fois consécutive, le club du FC Grouville, les Anglais, ont remporté la Champions League. Ils ont déjà gagné l'année dernière. L'Europa League a été gagnée par l'OMS Lom, d'une équipe du Nord-Pas-de-Calais. Et le Tipeee Challenge a été gagné par nos amis italiens de Lugo. Ça fait toujours très plaisir de voir les yeux des enfants qui brillent. Voilà, c'est tout ce qu'on recherche quand on fait cette manifestation-là. À bientôt sur tevie.tv.